l'autonomie de plein droit et de plein exercice. C'est l'engagement pris par Umpaisi Dava durant la campagne. Fort des 56,4% obtenus au territorial, les nationalistes attendent du gouvernement des signaux positifs. Le silence qui a suivi les législatives a surpris. Je suis ravie de vous rencontrer. Mais en ce 5 janvier, Jacqueline Gourault se fait le messager de Paris. Dans les valises de la toute nouvelle Madame Corse, l'opportunité d'une réforme constitutionnelle. Il faut être capable, d'adapter les lois à la réalité des territoires. Est-ce que ça signifie que la Corse pourrait y intégrer un de ces articles à une place particulière ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons une réforme constitutionnelle, que nous allons faire un droit à la différenciation. La lucarne est étroite, mais la possibilité de dialoguer semble bien ouverte. Si le gouvernement se montre constructif sur les moyens de la collectivité unique, c'est bien la question politique qui est jugée primordiale. Le deuxième axe, c'est celui d'avoir acté ensemble la nécessité d'inscrire notre dialogue dans la perspective de la révision constitutionnelle générale qui est prévue. Mais les prises de position ultérieures de la ministre vont vite être interprétées comme des signes de fermeture ou de méconnaissance du dossier, ainsi de cette déclaration où la question de l'aménagement de la loi littorale est posée afin de pouvoir construire davantage. De plus, à y regarder de plus près, le propos tenu à Ajaccio peut paraître infantilisant. Il y a les interdits, vous savez, c'est comme quand on éduque un enfant, hein. Il faut faire de la pédagogie. On ne commence pas par lui dire « ça c'est interdit, ça c'est interdit ». Malgré tout, c'est avec un réel espoir que Gilles Siméon et Jean-Guy Talamone se rendent à Matignon le 22 janvier. Outre le Premier ministre, Gérard Collomb et Jacqueline Gourault participent à la rencontre. Après 2 heures d'entretien, le cœur n'y est pas, mais les élus se refusent encore à avouer leur déception. C'est peut-être Emmanuel Macron qui ouvrira la porte. Manifestement, la volonté du Premier ministre n'était pas d'aller plus loin dans les engagements pris par le gouvernement. Et de ce côté-là, nous pensons qu'il faut attendre que le président de la République donne le ton et donne le là à l'occasion de sa visite en Corse. Le voyage se poursuit le lendemain au vœu des présidents de région de France. C'est l'occasion de plusieurs entrevues, comme ici avec le conseiller Pierre Ferracci ou encore avec la ministre de la Culture Françoise Nyssen. L'après-midi, au Sénat, Gérard Larcher va fixer des limites aux réformes attendues. C'est autour de l'article 72, et uniquement de l'article 72, qu'il peut y avoir un débat, un dialogue, comme avec d'autres collectivités. En d'autres termes, la Corse serait alignée sur le régime commun qui sera proposé à toutes les régions. L'heure est à la mobilisation générale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, en tant qu'institution de la Corse, seuls en mesure de faire face à la situation. Nous avons besoin du soutien de l'ensemble des Corses pour défendre les intérêts de notre peuple. Cette rupture potentielle dans les nouvelles relations avec l'Élysée et Matignon n'a pas manqué de provoquer des réactions. Depuis, de nouveaux signes d'apaisement ont été renvoyés. Il faut qu'on sorte de cette relation de soupçon avec la Corse et ses dirigeants politiques pour passer à une relation de confiance. Dans notre Constitution, moi je crois qu'il est bon que l'on reconnaisse justement cette diversité des territoires français. Promise par Umpaisi Dava, l'autonomie ne pourrait être accordée que par Emmanuel Macron. De quoi pimenter la rencontre entre les deux présidents.